Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview au festival Guitare au Beffroi, le salon de la belle guitare. Je suis avec un luthier, Olivier Fanton Dandon, je l'ai dit dans le bon ordre, oui. Bravo. Voilà, super. Et donc qui est luthier de son état, je pense que je l'ai déjà dit. Olivier, comment est-ce que ça va bien aujourd'hui, en ce dimanche? Aujourd'hui, en ce dimanche, est-ce que ça va très bien? Ah, que je suis content d'être là. Voilà. Bon, parfait, c'est bien. Je pense que ça va être une belle interview, tout ça. Dis-moi, Olivier, avant qu'on parle de ton métier de luthier, dis-moi, quelle a été la première guitare que tu as possédée? La première guitare que je possédais était une Aria avec une table en cèdre que j'avais acquise auprès d'un élève du Conservatoire National de Région de Nice, un Canadien qui était en classe avec Akohito et Henri Dorini. D'accord. J'étais en première ou seconde année de médecine à l'époque et j'aimais bien cet instrument. Et je jouais pas mal. Et ça m'avait donné envie de peut-être m'orienter plus tard vers le soin.